Wow, bonjour frère et soeur, bienvenue sur Soubonne. Honnêtement, je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai trouvé encore quelque chose. Parce que les gens sont en train de publier des trucs terribles sur les réseaux sociaux. Par exemple, ça, c'est un audio privé. Une conversation de deux personnes. Une fille inconnue et Tibiouchois. Pourquoi? Parce qu'on entend sa voix. On entend sa voix. Et les gens pensent que c'est une fille avec qui Thierry Joshua entretenait des relations. Des relations, vous voyez, non? Une histoire d'amour. C'est une histoire qui a été faite, c'est un audio qui a été enregistré en anglais. J'essaierai de faire la traduction pour vous. Mais là, vraiment, c'est quand même compliqué. Que se passe-t-il? Je profite à mes belles opportunités pour vous dire, avant qu'on écoute ce studio, écoutez-moi bien. Mes frères et sœurs, un secret n'est bien gardé que par une seule personne. Quand c'est partagé, ce n'est plus un secret. C'est-à-dire que si vous dites le secret à une deuxième personne, c'est que le secret n'est plus un secret. Maintenant, regardez aujourd'hui après sa disparition, après sa mort, regardez ces choses qui étaient censées être cachées là. C'est venir au grand jour comme ça. Exposer le monsieur. Est-ce que les gens cherchent à gâter son image ou bien c'est quoi? Bon, écoutons d'abord. Hello? 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 Who's calling the private number? Hello? Okay, yes, I was on the line. You said you had, I mean, tried to pick up the line. How are you? I'm doing fine. I want to know who I'm talking to. Là, on entend une fille qui reçoit un appel. Oui. Et on entend la voix de Tibi Yoshua. Et elle ne sait pas qui est-ce au juste. Elle dit, bon, il ne sait pas à qui je parle. Well, I'm not calling from Zimbabwe. I'm calling from outside Zimbabwe. OK? Et il dit, je ne vous appelle pas de Zimbabwe. Je vous appelle d'en dehors de Zimbabwe. Where are you calling from? Et elle dit, mais d'où appelez-vous? D'où appelez-vous? Okay, that's you know that, and you would like to hear this point. Every time I mention my name, you get very excited. Let's talk. How are you? Et il dit, elle lui pose la question, hein, disant, mais d'où est-ce que vous appelez? Il ne veut pas dire exactement d'où il appelle, mais il dit que, il lui dit, tu vas aimer entendre cette voix, tu vas aimer entendre le nom de la personne qui t'appelle. C'est-à-dire, elle devrait trembler, vu que c'est lui, le grand Tibiouchois, qui l'appelle. Vous voyez, c'est l'impression que ça donne. Mais écoutons. How are you? I'm doing okay. Il dit, comment vas-tu? Il dit, oui, je vais bien. But I don't feel comfortable Oh, talking to you, yes. at least I don't know your name. You Et elle ne veut pas entamer une conversation avec lui tant qu'elle ne sait pas quel est son nom. Vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de dire. Je ne veux pas entamer une conversation avec toi tant que je ne sais pas, tu ne connais pas, tu sais pas qui tu es et ne connais pas ton nom. will. So very happy when I mention my name. Et lui dit encore, tu seras vraiment très contente lorsque je vais mentionner mon nom. Be very happy, but initially I will not mention my name. Mais elle, il dit, mais non, je ne veux pas dire mon nom ici. Let's talk. And when Juste parlons. I continue talking, you'll be very happy. Don't drop on me because I mean it's let me call You you know why you I'm have a dropping off? chance to hear the voice. The reason I'm dropping off is because I don't know. I'm uncomfortable talking to someone that I don't know. Et elle dit, elle réplique encore. Elle dit, écoute, je ne vais pas parler avec une personne dont je ne connais pas le nom, je ne sais pas qui c'est. You'll be very, very happy to hear my name. I want to mention my name. Don't worry. Just talk. How are you? Et lui dit encore, écoute, tu seras vraiment très très contente si je dis mon nom, si je te dis seulement mon nom là. Tu seras vraiment très très contente. Écoute-moi. Should I tell you your name? Elle dit encore, dis juste son nom. Huh? Should I tell you Tell me my name. your name? Et elle lui dit, devrais-je dire ton nom? Et il dit, ok, dis mon nom. Cela s'est mis à rire. Vous voyez, non?
un riche, genre comme genre une amoureuse, quoi. C'est pourquoi les gens disent que c'est une lover, genre la lover de Poubelle Tibi, tu vois. Hey! Hey! Vous entendez ça? Vraiment. Voilà, beaucoup de choses à découvrir. Si vous n'êtes pas abonné, hein, si vous voulez pas abonner, hey, abonnez-vous. Activez la cloche aussi et soyez prêts. Hein? Même la prochaine vidéo va vous étonner. Écoutons ça. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'elle va dire son nom? Écoutons. You wanna know your name? Et quand elle a dit, des fois je dis ton nom, il dit, dis mon nom. Elle dit, ah, donc tu ne connais pas ton propre nom. Et c'est Marie. Okay, tell me a story. My son mentioned a few things concerning you, and I said I will personally call you. Okay, you should know my son I'm talking about. You should know You my know, son. I'm talking to you. From Nigeria, okay? Voilà, elle veut juste savoir les informations sur l'appelant. Et c'est là qu'elle a commencé à lui dire quand même quelque chose, donner quand même des choses. Elle dit que, il dit qu'il appelle du Nigeria. You know my son in your country. Et il lui dit que elle connaît son fils dans son pays, c'est-à-dire au Nigeria. Prophet Magaya, Genre, il y a l'un de ces petits, genre, les gens, on va dire Tibi Yeshua, l'un de ces petits qui connaît la fille, qui l'a vu, a sans doute donné le numéro, son numéro. On lui l'a appelé en secret. C'est ce que ça laisse apparaître. Ou bien, dites-moi ce que vous en pensez. Et il dit que celui qu'il appelle son fils là, lui, Tibi Yeshua, est son père spirituel. Yeah, I know. Elle dit, ah, d'accord, je sais. Okay, thank you. How are you? Il dit, ah, ok, merci. Comment vas-tu? Là, la conversation peut maintenant commencer. I'm doing okay. Elle dit, oui, je vais bien. I want to invite you to Nigeria. Et elle dit, je vais t'inviter au Nigeria. What's Et elle se met à rire. there for me? I will say. Et elle dit, mais pourquoi cela pour moi? Pourquoi fais-tu cela pour moi? I will pay your ticket. I will do everything for you to come and see me. Okay? No. Et il lui dit, je vais payer ton billet d'avion et tout ce que tu dois avoir, d'accord? Salvation is very important, What's so we there for me cannot in come. Nigeria? But I should come and You see you. What's there in Nigeria that I should come and see you? sais? Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais au Nigeria pour que je puisse venir voir? You say what? I'm asking you what's there for me in Nigeria. Like you think I should come there for what? Et elle dit, mais ah, tu me donnes de venir au Nigeria, c'est pourquoi? Tu me donnes de venir, c'est pourquoi? I say you come. You are, only you are invited. I'm not just want to meet only you, not only with you. I will not invite him. I just want to see you. Et il lui dit, juste viens, je veux juste viens, je veux juste te voir. So it's Et elle rit. okay. Are we not No fighting worry. already? Are we not fighting already? You say what? Are we not fighting already? Don't worry. I will pay your flight ticket. It's not about Il lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais payer ton billet d'avion, je vais faire tout. anything. Just don't come. You say you know my name. I don't need to mention my name again. Okay. No, you just have to tell You me know. your name. Et elle insiste pour qu'il puisse juste dire son nom. You know What you'll if be it's not very you? shocked What if to it's hear not my you? name. Huh? What if it's not you? The I person I can't hear think what you're saying. I'm saying, what if it's not you, the person I think I'm talking to? You see not know my name. Hello? Non, elle insiste encore sur le Hello? nom. Elle veut qu'il dise son nom. Comme elle sait qu'elle est en train d'enregistrer la conversation et qu'elle veut piéger le monsieur, elle est en train d'insister pour qu'il puisse juste dire son nom, lui-même puisse dire son nom. Vous voyez ce qui se passe?
Où est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand vous causez avec quelqu'un, ne dites pas que ce n'est pas enregistré. Hein. Vos conversations sont enregistrées en général. Les gens enregistrent tout. Vous devez savoir où vous mettez les pieds. Surtout vous, les gens qui n'aimez pas, qui êtes des grandes personnes et qui n'aimez pas être exposés là. Vraiment, hein? Faites grave attention. Faites grave attention. Nul n'est parfait sur cette terre, mais on peut quand même faire un effort pour savoir où on met les pieds. Okay, I will arrange for your tickets. So I will send my number, but I will want them to buy you tickets, okay? I You're want them not to buy saying you anything. tickets. You just used your tone, name, and now you're telling me that you want me there in Nigeria. What? Il a dit, mais tu refuses, il me dit ton nom, mais tu me dis pas pourquoi est-ce que tu me veux au Nigeria. You saw what? I'm saying you refuse with your name and Il dit, tu refuses, il me dit ton nom. then you're saying that you want to buy me, you're saying that you want to buy me a ticket to come Et tu me dis que tu veux payer mon billet d'avion pour le Nigeria. Par rapport à quoi? to Nigeria to see who. Et pour voir qui? But you're saying you know who is talking to you. You know, don't. Et il dit encore, tu sais qui te parle. Genre, tu vois, quand j'entends ça, c'est comme quelqu'un qui a réussi et qui est populaire. Lui, quand quelqu'un entend son nom, c'est moi, la personne tremble du joie. Maintenant, la personne, maintenant, cette dernière-là est habituée à de tels comportements. Et maintenant, cette personne tombe sur quelqu'un qui n'a qui ne manifeste aucune émotion en la voyant. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, mais ah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es censé trembler juste en entendant ma voix. Pourquoi ne trembles-tu pas? Pourquoi ne trembles-tu pas? Bon, coupons cela court. Écoute, moi, je vais juste payer ton billet d'avion et tu viens. Tu vas venir, tu vas juste venir et tu vas voir pourquoi. Je te demande de venir. Mais la fille, elle insiste. Elle insiste là-dessus. Elle veut savoir son nom. Et la raison surtout pour laquelle il veut la voir chez lui. Mais lui, il semble esquiver la question. Il ne veut pas donner directement toutes ses informations au téléphone. Vous voyez? Parce qu'il sait qu'il pourrait être enregistré. You are laughing, you know. I would not mention that name. The name is too big. Don't worry. Oh, your name is too big. The Madeira has no other spiritual father in Nigeria than the person you know. Okay? And oftentimes you watch Emmanuel TV and you listen to the voice. What else is it? Et il a dit, tu vas juste regarder Emmanuel TV. Vous voyez, non, il a dit, il lui a donné des indices. Il lui a dit, juste, va regarder Emmanuel TV, cette chaîne de télévision-là. Et tu écoutes ma voix, tu vas entendre ma voix. Et tu vas savoir mon nom. Prophète Emmanuel. Like, Ok, Tibi ça m'est mal. Elle dit, ah, c'est comme si c'était Tibi Yeshua. Prophète Tibi Yes, Joshua. thank Prophète Tibi Yeshua. Oh. Yes, What's going on? Hello? Yeah, what's going on? Like the reason why you No. called me, like what do we have to talk about, and what's the reason why I should come to Nigeria to see you? Et elle lui demande, elle lui pose la question, elle dit bon. Maintenant que je sais que c'est toi le prophète Tibi qui m'appelle. Mais dis-moi aussi, pourquoi est-ce que tu veux me voir au Nigeria? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment même payer mon billet d'avion pour que je vienne au Nigeria? Pourquoi juste? So when are you coming? That is the question. When are you coming? Il dit, quand tu vas venir là, c'est là tu vas répondre à ta question. Quand tu vas venir? I don't think I have to reply to that if I don't know the reason I'm coming, like for. So I will make sure I will get you tickets so that you can come. I will arrange someone to meet you to get you tickets to come to Nigeria. Okay? So maybe when she meets you, we can
discuss when you will be coming, but very soon, because I will soon be travel, so okay. Very soon. Okay. Awesome. Thank you, Angie. Thank you. Hey, Lydie, juste. Je vais payer ton billet d'avion, t'envoyer tout ce qu'il faut, et puis tu vas venir, et là, tu vas savoir pourquoi. Je t'appelle et tout ça. Ok, il faut que tu aies besoin de Joshua. Thank you. So, the person will be meeting you to give code. You have to get your ticket, ok? Ok. Elle a dit ok. Finalement, elle a dit ok. Et cet audio vient d'apparaître sur les réseaux sociaux. Et les gens sont en train de dire que Tibi Joshua avait prévu faire des choses X avec la fille. Même si c'est le cas, est-ce qu'il ne peut pas être amoureux aussi ou bien c'est quoi? Il peut être aussi amoureux. David était amoureux, non? Mais comme c'est un homme de Dieu, là. Mais comme c'est un prophète, là, lui, il peut pas être amoureux. Mais, et s'il y avait peut-être d'autres préoccupations ou même quelque chose d'important à lui dire, très important à lui dire. Ça aussi, ça a à voir. Mais tout de suite, les gens disent, oh, c'est une fille qui voulait prendre comme ça. Il va être son sugar daddy. Et puis, c'est parti. Mais comment cet audio a-t-il fait pour apparaître ici sur les réseaux sociaux? Dans cet audio, on voit qu'il vraiment prenait toutes ses dispositions pour ne pas dire son nom. Pourquoi est-ce qu'il refusait de dire son nom ouvertement? En général, quand on n'a rien à cacher, on peut se livrer, on peut dire un peu tout, dire parce qu'on n'a rien à se reprocher, ni de près, ni de loin. Vraiment, frères et sœurs, quand vous êtes une étoile, faites attention. Quand vous êtes une star, sachez où vous mettez les pieds. Peu importe qui vous êtes, même si vous êtes quelqu'un de simple, même d'inconnu, vraiment, faites attention aujourd'hui. Parce que vous ne savez pas qui peut vous livrer. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Une autre vidéo encore venir. Vous risquez d'être étonné parce que vous allez voir. Nous sommes ici sur Nyan Soubon. Abonnez-vous. Et pour nous montrer que vous êtes prêts à voir la prochaine vidéo, laissez tous beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Ça sera un signe qui va nous montrer que vous nous suivez et que vous êtes prêts à voir même la prochaine vidéo. Ne manquez pas de regarder les vidéos précédentes en attendant que la prochaine vidéo se prépare. C'est parti!